Vous me refaites plus ce coup-là, hein. Alors, Teddy, qu'est-ce qui t'arrive? Vous m'avez pas vu courir derrière la voiture? Pourquoi tu courais derrière la voiture? Bah, je fais comment pour rentrer chez moi? Ah bah, c'est vrai, je pensais pas poser la question. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites là, du coup? Eh bah, écoute, dans 3 minutes, on réattaque. Bah, laissez-moi au moins me changer. Quoi de mieux que de commencer par une petite entrée comme de l'huître? Alors, bien évidemment, ce village ne fait pas référence au mollusque, car dans les prémices de son histoire, on le prénommait l'huître. Mais la modification de la langue française a fait quelques changements, comme l'apparition de l'apostrophe et du H, mais aussi l'apparition du tréma sur le I pour justifier la disparition du S. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous fait un cours de français? Bah, tout simplement pour vous expliquer que ce village a une origine gallo-romaine. Car l'huître provient du mot latin lustre, qui fait référence à une période romaine de 5 ans où l'on recensait les gens et on pouvait aussi même faire des rites de purification. Donc on peut imaginer qu'il y a fort longtemps, dans ce village, on faisait ce genre de pratique. Autre petite anecdote pour sublimer vos repas quand votre mère va vous reprocher de ne pas avoir le bac, c'est que l'expression « ça fait des lustres », eh ben ça vient de là. Comme par exemple, « ça fait des lustres que je n'ai pas été payé par la production ». Par exemple. En plus d'avoir un passé plein de surprises, l'huître a pu acquérir un puits à l'histoire trouble. Et c'est en ce lieu, juste à côté de la chapelle Sainte-Ange, que la population venait rendre hommage à la martyre. Alors selon la légende, Sainte-Ange parcourait les alentours de l'huître quand elle s'est vue sollicitée par son valet qui lui faisait des avances plus que douteuses. Bien évidemment, elle les repoussa et furieux de son refus, il se retourna contre sa protégée pour lui trancher la gorge. En ce lieu funeste, une source jaillit et comme à son habitude dans ce genre de légende, une pierre tachée de sang pouvait se trouver dans ses abords. Bah nickel, le plan il est fait, hein. Mais hey, non, vous allez pas recommencer, mais non. Mais non. Après avoir parcouru 25 km, on se retrouve à Chassericourt, petit village attaché à Chavanges. Et tout comme ses prédécesseurs, je vous présente une nouvelle fontaine bien particulière. Alors dans cette partie, je vais me moquer gentiment du folklore local, si surréaliste que nous propose la fontaine Saint-Jean-Goult, ou Saint-Jean-Goult sans le T. Et Saint-Jean-Goult, alors beaucoup de noms, mais c'est bien la même personne. Avant de vous parler du folklore, je pense qu'il est nécessaire de vous parler de la légende qui tourne autour de ce personnage et des deux églises de Chassericourt et de Chavanges. Alors imaginons un petit peu Saint-Georges et Saint-Jean-Goult parcourant, chevauchant les alentours de Chassericourt. Quand soudain, le sabot du cheval de Saint-Jean-Goult s'enfonça dans la terre. Malheureusement, la bête a la patte cassée, ce qui arrêta net la course de Saint-Jean-Goult. Saint-Georges, ne se rendant pas compte de la situation, s'arrêta à Chavanges pour attendre son acolyte. De cette histoire naquit une chose bien particulière, c'est que les églises de Chassericourt et de Chavanges ont respectivement deux patrons, une chose rare qu'il fallait que je vous souligne. Maintenant, nous allons parler de ce que la population a fait de cette source jaillissant du sabot du cheval de Saint-Jean-Goult. Et ce n'est pas une mince affaire, car son pouvoir est si surréaliste, si surprenant, mais aussi si gênant qu'il pouvait briser des mariages. Revenons aux faits. Avant de se marier, les jeunes amoureux avaient un rituel un petit peu particulier. Ils venaient sur la fontaine Saint-Jean-Goult, plonger les doigts, et si les doigts en ressortaient trempés, cela voudrait dire qu'il y avait de l'infidélité soit passée ou future pour l'un des deux protagonistes.
Outre le fait de mettre la mauvaise ambiance dans les vins d'honneur, on pouvait y tirer quand même quelques bienfaits, comme par exemple soigner de la maladie de peau, guérir de la gale ou encore calmer les fièvres. Maintenant qu'on s'est un petit peu moqué du folklore local, je pense qu'il est nécessaire de vous présenter un autre puits, mais cette fois-ci, démoniaque. Nous sommes désormais au Petit Ménil pour vous présenter un lieu sanglant entre la mairie et l'école pour parler du lieu d'exécution des condamnés du seigneur de Brienne. Et c'est pourquoi on peut trouver une croix qui symbolise l'emplacement du gibet, ou plus communément appelé la potence. Autre fait, ça serait Napoléon Bonaparte qui aurait apprécié ce lieu pour observer la célèbre bataille de la Rotière de 1814. Mais il existe aussi, peut-être à cause de son histoire sanglante, un lieu méconnu du public. Si méconnu que malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pu trouver de lieu précis. Mais il faut imaginer un puits à l'aspect démoniaque. Et dans ce puits, il y aurait un trésor qui serait enfoui. La population connaissant cette histoire a décidé de le rechercher. Mais tout le travail de la journée était détruit à la nuit tombée. Autre chose, l'eau qui est censée être stagnante dans un puits bouillonnait, ce qui renforça son surnom de puits du diable. On en aura vu des choses avec ces trois nouvelles étapes, un village gallo-romain, un folklore complètement absurde et pour finir, un puits démoniaque. J'espère que toutes ces péripéties vous auront plu. Quant à moi, je suis fatigué, je repars en vacances. À très bientôt. Coupé. Bon allez les gars, fini de rigoler, je pense qu'il faut que je rentre chez moi, là, je suis fatigué. Ah non, t'es dit, non, t'es pas fatigué. On t'a vu courir ce matin. Non. Là, pour l'instant, regarde, tu es à un arrêt de bus. V'là le ticket. Pour la troisième émission. Ciao et bon courage. Mais les gars, je suis censé être en vacances.